M'a dit nous, moins déterminé pour enquête l'avancée. Bien pile diversion qu'a fait. Bien pile pisse. Il y a tenté bouiller pour pas jouer un bon résultat. Mais c'est preuve d'où. Nous sommes bon route pour permettre au président de justice. Les millions en pile. Complot à loup. Mais nous pas fait là. Nous pas fait là. Assassin, vous comprenez, vous avez fini tout le président Jovenel, toute l'autre autorité t'a couru. Vous comprenez, vous avez fini tout le président Jovenel Moïse, toute l'autre autorité t'a couru. Et puis vous-même, vous avez bien temps. Temps pour effacer indicieux, indices sur ce crime-là. Et puis nettoyer avant d'échapper pour lui. Bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à la vigilance police nationale, grâce à l'intelligence population, nous croyons. Et nous prenons en pile dans nous, comme nous connaissons. Nous continuons à poser des questions, continuons à chercher des intellectuels criminels. Traînez-vous la justice pour yo payer sa offre. Pour y a deux choix. C'est soit vous assassinez, même Jean, vous assassinez le président Jovenel Moïse, c'est soit vous quittez l'enquête là pour y venir en bout. Je vais passer des GPNH là, qui lui-même l'a fait. Bah, côté enquête là, la évolution que je dis, et nous prêts pour nous répondre à la question. Mais ça a gagné ouais, également à la funéraille là, m'a quitté ministre de la richesse également, ajouté deux mois après, mais déjà bien dans ça. Merci. Merci beaucoup, PF. Je salue tout le monde du gouvernement qui est avec nous là. Et je vous remercie la presse qui répond en foule à l'invitation à la conférence de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous qu'aider les populations informer de l'évolution enquête que la police a été diligentée. Dans le cadre d'assassinat crapuleux du président noir, M. Jovenel Moïse. J'en désire dans un point de presse, conférence de presse que j'ai faite hier. Enquête là a continué. La police là mobilisée, pas seulement la police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président noir. J'en dis, il y a deux niveaux, d'enquête qui est lancée. L'enquête administrative qui fait au niveau de l'inspection générale, côté où vous mettez en isolement 5 policiers, il était 4. Hier soir, il y a un autre policier que nous placer en isolement. Donc, j'ai suffisamment d'éléments pour nous placer dans l'isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué d'aider tout policier qui est de service, tout policier qui de près ou de loin mon rôle nous a joué, qui était pour empêcher sa fête, il va faire. Donc, l'inspection générale a continué de travailler. Au niveau de l'enquête judiciaire, qui a fait avec la police judiciaire, nous avons des informations déjà.
la Grande-Ville, nous gagnons 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police. Là. Nous avons 3 qui sont tombés et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous avons réalisés. Nous travaillons soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui spécialisent dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui l'a présent sur le terrain pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous jouons pour nous retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous jouons de population. On a remercié la population qui comprend la nécessité, l'urgence pour nous joindre tout le monde qui te fait ça. Que ça. Et nous avons commencé la jalousie. Nous continuons toute semaine. Et jusqu'à ce matin, nous avons reçu l'information de la population. Nous encourageons dans ce sens pour que tout élément qui existe le plus vite que possible. L'enquête se poursuit. L'enquête ne va pas s'arrêter. L'enquête va se poursuivre tous les jours. Jusqu'à ce que nous joignons et nous commençons à joindre et nous gagnons indiciaux et nous préciser. Ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer que l'enquête l'a fait, mais ou pas. C'est les indices qui vont nous indiquer, dans quel sens. On va ni à droite, ni à gauche, n'a pas été nommé-temps jusqu'à ce que la famille présidentielle, président Jovenel Moïse, joue justice. Merci. Merci, DG, police nationale. Merci, collègues ministres de défense, ministre en charge des élections. Ministre intérieur, commissaire du gouvernement, tout collègue secrétaire d'État qui l'a eu, et puis au cadre de la police là, nous saluons la presse nationale et internationale. Et le premier ministre m'a demandé de parler de funérailles là. Et funérailles, n'a pas l'air, c'est funérailles du président Jovenel Moïse qui était assassiné la nuit 6 à 7 juillet. 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi, nous déjà sur 9 jours depuis le président Litebourg. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons l'autre mesure qui dépend au niveau sécuritaire, mais au niveau organisé, funéraire à lui-même, gagné, comme le premier ministre se dit, il y a un comité qui était mis sous pied. Le comité a gagné différents. Ministère là-dedans, différents ministres, ministre des Affaires étrangères, qui lui-même c'est premier ministre, ministre culture et communication, ministre intérieur et collectivité territoriale, ministre défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général Mupana, et à décret ça, a arrêté ça, pardon, gagné et 3 autres entités qui a ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la Primature. Tâche principale du comité ça, c'est pour organiser funérailles là et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi en 16 juillet, jeudi en c'est vendredi, comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté hein, qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons gagné une journée immédiatement après et installation. Nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons 2 journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créer un comité exécutif en dedans, donc qui pour atterrir, qui pour atterrir toute décision qu'on va prendre. Donc, l'IGEN a donné environ 3 à 5 membres. Donc, c'est des mondes très opérationnels, très fonctionnels qui font partie du comité ça. Et puis, nous gagnons tout. Il y a une cellule logistique
qui dans l'immédiat supposé à faire évaluation site pour finir la fête là. Et peut-être que nous tout qui là nous besoin qu'on ait un seul bagage. Mais avant nous arriver sur ce bagage nous besoin qu'on ait, n'a dit que nous gagnons un agenda d'activité qui est là dans 3 dates et à partir de 2 jours de travail nous avons fait. 3 dates, yo, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement qui rend hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais National qui a organisé au musée du Panthéon National. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi. Ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020, il y a gagné décret s'arrêté, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséance, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020. Et décret a été prévoi en ses articles. Dans ces articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32.1, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même l'a dit, les Mapliburu, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit, les cérémonies publiques sont organisées sous instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean prévoit dans les créas, et nous-mêmes, nous continuons à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant la parler là, sous site, espace, et côté funéraire après le fait, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous parole tout gouvernement là, avec tout ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engageait pour bail président Jovenel Moïse, une funéraille, comme ça doit, je vous dis en créole, j'en mérite. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Ok, vous avez bien une possibilité pour nous poser un ensemble de questions, s'il vous plaît, d'après des confrères nous, d'après des journalistes, pas poser question à plusieurs volets, chaque monde a bien droit. Au monde qui a posé question, il a bien droit à une question. Donc, il y a plusieurs volets, nous n'avons pas qu'à répondre une question à plusieurs volets, nous répondre aux questions pour nous permettre au maximum de journalistes qui ont possibilité de poser question et nous avons réparti les questions entre journalistes nationaux et journalistes internationaux. Premier ministre a répondre, directeur général de la police a répondre, ministre culture a répondre pour ça qui vient pour la funéraille. Le pasteur, moi, je suis Robert Son Alphonse, et plus de 8 jours après les faits, est-ce que le nouvel liste de Magic 9, est-ce que vous chronologie des faits, qui le président a mouru, combien de monde qui était dans la sécurité, qui ça y est, qui ça y est fait, et qui monde qui venait et pour mettre dans l'hôpital, et qui réacte ce premier ministre à l'article notice, comment caractère notice qui s'appelle. Merci. Ça concerne le rapide pour me passer et connant à DG. Et pour une bagarre, m'a dit c'est que moi estimé, n'est-ce pas, que le journal et noticias caracol là et l'état est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple,
moi-même et Claude Joseph en novembre 2020 en premier ministre. Alors que à titre là cité comme premier ministre novembre 2020 et je pense que ça c'est un bail pour nous et rejeté. Et ensuite ça qui est important c'est que la police nationale avec la police colombienne rejeté en bloc et nous avons capable de dire accusation ça. Mais ça qui est important, c'est que moins pas déstabilisé parce que moi c'est monde qui écrit qui mandé pour FBI et Vina pour nous jouer un support colombien. Moins pas découragé, nous pas qu'à déstabiliser. Complot gros, bien pile monde là-dedans. Pas bouiller pis là parce que moi-même c'est assassiné pour assassiner ou bien faut qu'une enquête là aboutisse. C'est ça seulement mon capable. Enquête là pas aboutie. La pagouti, si nous voulons assassiner, mais si attaque sur caractère nous a eu, il n'y a pas marché parce que nous faisons assez. Depuis le président Maurice Duet, nous campons avec le conseil ministre de l'AM, avec le secrétaire de l'AM. Jeudi, nous avançons. Nous ne pouvons pas assassiner le caractère, nous ne pouvons pas assassiner. Mais nous avançons, enquête là doit aboutir. Merci. D'accord. Pour répondre spécifiquement à la question posée, déjà c'est l'image de la police, là, mais l'enquête là peinée par des spécialistes. La question, je ne suis pas capable de tout détailler, mais on fait appel au directeur central de la police judiciaire qui a répondu au aspect de la question posée. Merci DG. Et en termes de chronologie des faits, on a précisé pour les journalistes que les faits ont déroulé aux environs entre 1h du matin et 2h du matin. Et la première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmettre le président et tout ensemble de l'entité ça qui était présent sur les lieux, par rapport à l'enquête là, nous voyons que bien. Maintenant qu'il y a engagement. Et ceci, c'est ça que fait inspection générale au niveau administratif, ouvrir une enquête sur ça. Et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement et 24 musiques conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de Premier Dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce qu'elle dérive et l'hôpital. Merci. La voix de la mairie. Merci. Premier ministre, vous faites partie de. Alors, non, parce que vous êtes dans le coussin, vous avez la vous faites partie de nos gouvernements démissionnaires. Nous connaissons que Joseph Joux est démissionné. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement ça, qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous êtes dans la tête de Mathieu, et qui sont capables de répondre de ça. Et en plus de ça, qui. Position par rapport à débat qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles et classe politique là, et plus précisément au niveau du Sénat de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient, nous considérons comme 10 élus légitimes. Comment comprendre les démarches sérieuses? Merci, la voix de l'Amérique. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, moi, j'ai rentré dans le palais. Moi, je fais partie comme ministre des Affaires étrangères. De comité qu'a préparé pour organisation funéraire. Même choisi par le ballet, c'est pour éviter toute interprétation sérieuse. Le président Amoury, dernier conseil ministre qui a été organisé, il était organisé avec moi, avec moi-même comme premier ministre intérimaire. Le président Amoury, faut que tu aies des autorités campées. Qui vous permettent nous là aujourd'hui à 9 jours après. C'est ça que fait moi-même comme ministre, premier ministre à l'intérim, moi été grand courage moi à demain pour moi été avancé avec le reste ministre et m'a profité occasion pour moi remercier le secrétaire d'État, remercier le ministre qui avec moi et assurer présidence
conseil ministre. Qui te me dit que je dis dans ça qui vient à ouais à café journal. L'important pour tout acteur mettre tête ensemble. Tu as gagné un processus en cours qui te gagné une nomination un premier ministre désigné. Processus ça pas abouti pour nous tout connaître. Je dis à premier ministre Dr. Ariel Henry, c'est un acteur important lié dans la crise. Sénat, sénateur, c'est des acteurs importants liés dans la crise. Moun dans la société civile, organisation, secteur organisé, parti politique, c'est des acteurs. On n'a pas gagné aucune ambition personnelle, on n'a pas soutenu dans le parti politique, c'est Jovenel Moïse. Qui te fait charger d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon premier ministre. Je n'ai pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président. Mon bon devoir moral, pour le juge de justice à Kouameni, Madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre ensemble. Nous n'avons pas qu'à courir à rien. Moi-même, je ne suis pas dans une dynamique pour m'intéresser à arrêter là. Je pense qu'il faut tout mettre ensemble pour nous trouver une solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. L'opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour nous définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise. Là. Pas un monde qui gagne pour compter. Moi-même, moi, c'est un premier ministre de facto. Ariel, c'est un premier ministre désigné par Jam installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président sénat qui n'est pas président de l'Assemblée nationale là, à cause de la gagne chambre de député. Qui donc, nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut que nous mettions ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et nous profiter. Caméra, micro la presse, pour me lancer un appel à tout secteur qui organise un pays. En nous mettant nous ensemble pour nous jouer une solution à la crise. Entre temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est ce qui est important pour moi et presque exclusivement, c'est ce qui est important pour moi. Merci. Bonjour Jean-Philippe. Avant de vous, je suis à jour à la réponse PL. Dans le domaine du droit administratif, il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre de la crise qui fait là. C'est-à-dire que vous avez un premier ministre en poste, pendant un poste, le chef de l'État est mort, assassiné. Il a gagné une attitude qui a adopté, c'est courir. Mais ça, c'était le chaos total. Il peut encourager à demain, accompagné de tout gouvernement. Et dans le cadre de ce principe, le principe de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche KOA, il fait suivi. Donc, au lieu de rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo pour débattre. C'est félicité pour féliciter. Par exemple simple, moi-même, moi ministre, tout autant pour remettre ministère à Bayoun, tout ça qui passe dans le ministère est sous contrôle. Je suis obligé tant du ministre rivé nommé. Mon décret qui a arrêté, m'installer, le mot maintenant et me virer mal. C'est à ce moment-là que lui-même va prendre relève responsabilité. Donc, dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour le premier ministre, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste, c'est une question de dialogue politique. Merci beaucoup. Oui, alors, non pas M. Grégory Jean-Philippe, donc on va être à la télévision Caraïbe. D'abord, vous avez posé une question sur le reportage Caracol là, que je peux répondre. Mais bon, pour profiter de PM, toujours sous question et reportage Caracol là, est-ce que l'IPRI va traduire et Caracol en justice pour accusation ça? Parce que deuxièmement, qui rapport qui gagne entre Colombien, nous arrêter avec Colombien récemment qui vient renforcer le travail PNH? Moi qui était DG PNH à répondre, deuxième question. Informe, dis-nous que on a minimisé environnement. Nous minimisons totalement la question Caracol. Nous minimisons. Cependant,
et nous pensons que n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on me dit un bon matin levé, et sûrement avec support complot d'ailleurs, eh bien, il y a beaucoup de bis là. Donc, nous pensons que les médias, ça, nous gagnons des dimanches pour nous faire beaucoup de balles. Même, je dis clair, que bah, ça va affecter du tout, du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagay, ça va venir. Parce que moi, je suis trop intéressé à l'enquête là. Et il faut que l'enquête là aboutit, il faut que nous jouions criminel. C'est ça, seulement capable. Merci. Merci. On a précisé pour mes arrêts que la délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui est venue en renforcement avec cellules contre-enlèvement au niveau de la DCPJ.